Los Angeles, Bel Air. Je raconte ici ce qu'on m'a raconté. Les images défilent et j'ai l'impression de regarder le spectacle d'une vie qui n'est pas la mienne. Los Angeles, Bel Air. 1980, 1981, 1982. Mon père avait loué cette maison, je crois, pendant 3 étés à Bel Air, aux États-Unis. Je me rappelle d'un tennis, de l'odeur des magnolias, d'un jacuzzi, du silence. Los Angeles, les balades dans la voiture américaine, Disneyland. On se balade dans les rues en gang. On n'aime pas être séparés. Ce que je me rappelle, ce n'est peut-être pas la vérité. Parfois, j'ai peur d'oublier ce que j'aimais. Ce film est l'occasion pour moi de revoir ceux qui aujourd'hui ont disparu. Claude, Malka, Pierrot ne sont plus là aujourd'hui. Los Angeles, je ne m'en souvenais plus. On n'oublie pas ceux qu'on aime pourtant. J'avoue que j'avais oublié la façon qu'ils avaient de se mouvoir. Je ne me rappelle plus des dates. Tous ceux qui ont disparu aujourd'hui sont encore là. Ils existent, car ils sont sur ce film et je peux les voir. Qu'est-ce que c'est ça, à ton avis? Un magnétophone. Comment t'appelles ça? Un magnétophone. Un magnétophone? Oui. Ah bon, attends une minute. Non, c'est pas pour toi. Qu'est-ce qui t'a ramené, papa? Un quelque chose. Et qu'est-ce qui t'avait ramené, alors? Un bonnet et un quelque chose. Un quoi? Un bonnet. Un bonnet. Des poupées qui marchent, des avions qui se retournent, des petites voitures, des plein de pyjamas. Des pyjamas, des kimonos. Merci. Qui c'est qui a ramené les porte-bonheur? C'est toi. C'est qui, moi? Papa, comment? Comment je m'appelle? Oh, elle me fait un baiser, qu'elle est gentille. Viens, je t'embrasse. C'est un petit peu comme un départ de Grand Prix. J'ai pas touché le volant depuis 25 ans. La vitesse, c'est bon, mais pour les fantômes, faire attention à tous les dérapages non contrôlés. Le temps n'a pas d'importance. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire. Demain, la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis
des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Infiniment merci.